Bonsoir à toutes et tous, et bienvenue, bienvenue pour ce stream, et bienvenue à tous, et coucou, coucou Samu, coucou Mickaël, salut Emrinvest, salut Absolom, salut César, Yun, César Main, et coucou Bazon, ça fait plaisir de te voir passer par ici, cette scène de début tellement classe, merci beaucoup, merci énormément Bazon, c'est la petite intro, nouvelle intro de fête cet été. Elle date du mois d'août avec quelques vues de la base d'Olicube et puis d'autres trucs quoi. Merci beaucoup. Bon bah bienvenue pour ce petit stream de développement. On va parler d'AstroTerre, mais on va aussi parler d'un autre jeu en développement. Hein. Je pense qu'on va parler un petit peu de Minecraft et de la 1.1. Bonjour Monsieur Oran, mais ce ne serait pas votre base qu'on a vue sur le live officiel Minecraft. Mais oui. Vous la sentez la fierté. Vous la sentez la fierté. Il me manque des lunettes de star depuis la live de Minecraft Live. En effet, mais oui. Alors, je savais, on le savait, Bazon et moi, on le savait, hein, Kay Pierre avait fait une petite vidéo qu'il avait été pardon, missionné par Mojang pour faire ça. Mais il nous en avait parlé cet été. Ou à cet été, je crois. Mais. Un énorme merci, merci beaucoup Mick. J'ai du mal à parler ce soir, je tousse. Un énorme merci Mickaël qui offre un sub à Bazon. Merci beaucoup Mickaël, merci pour le soutien et bienvenue Bazon dans la confrérie des enclumes. Et du coup, ouais, c'est trop fier. Enfin, voilà, j'avais envoyé plusieurs petites séquences à Pierre. On avait été très nombreux à lui en envoyer. Hein. Il nous avait demandé de promouvoir Olicube. Donc, ça fait extrêmement plaisir. En plus, on voit deux fois ma base, donc je suis très très fier. Et puis, on voit bien le vaisseau de Yoko Tsuno. Donc, voilà, c'est ma construction favorite sur la base de la saison 5. On voit aussi la construction des gothiques. On voit aussi plein de choses d'Olicube. C'est super sympa. Les shaders, ça passait pas. Y avait pas d'extrait là avec les shaders. Ah, je sais pas. Du coup, moi, comme c'était la base d'Olicube 5, j'avais pas les shaders adéquats pour l'end. Et j'ai repris en fait juste des extraits de vidéos de mon timelapse où j'avais pas mis les shaders. Du coup. Et salut Libellia, bienvenue. Comment ça va Libellia? Ah, dommage, pardon. Dommage. En tout cas, ouais, je. L'animation passe sous le cadre du chat, ça ne trigger. What? Ah d'accord, mince, base. Ah, pas mal, et vous, bah, nous, ça va très bien. Très bien. L'animation passe sous... Waouh. Perds mon casque. Un énorme. Vous m'étouffez avec tous ces subs offerts. Un énorme merci Samduk. Merci énormément pour le sub offert à Libellia. Merci beaucoup. 49 abonnements offerts quand même Samduk. Tu vas un peu fort. Et salut Galinetas, ça fait plaisir. De rien. Bah merci beaucoup. Merci pour le soutien. Merci énormément. Bon oui, enfin bref.
Voilà, je me doutais que Holicube allait être au menu de la partie communauté, et j'étais très fier, très fier qu'Holicube y soit, et très fier de voir ma base. Donc personne ne saura jamais que c'était la mienne, mais elle a été vue par des millions de personnes. J'exagère pas du tout. Et franchement, j'en suis très fier. Enfin voilà, ça fait plus de 10 ans que... Ça fait 10 ans que je joue à Minecraft. Ouais, un peu plus de 10 ans, mais on va dire, allez, ça fait 10 ans que je joue à Minecraft. C'est un peu la consécration quand même, d'avoir une de ces constructions présentées sur le Minecraft Live. Franchement, je suis très fier. Il est parfait comme nombre, mais oui, c'est parfait. T'en as combien toi, Mickaël? 39. Parfait. Parfait, parfait. 49, c'est un département, semble-t-il. C'est un département. Et du coup, Mimich, bon appétit. Sauf si tu as déjà fini de manger comme hier. Ah, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même un jour un peu spécial, donc peut-être. Mais, en tout cas, sache que je suis en vocal. Bon, par contre, mis à part l'immense fierté de voir Holicube sur le Minecraft Live, on reste un peu sur notre fin pour la 1.20. Ah, bon appétit. Bon appétit. Parce que, en fait, les ajouts, moi j'ai rien. Rip petit œuf golem. Alors, ouais, moi j'ai voté pour le sniffer, donc je suis très content. Pour une fois que je vote pour un mob qui va être choisi, je suis très content. On va avoir une nouvelle fleur, on va avoir un monstre un peu rigolo. Voilà, je suis très content. Les nouveautés qui ont été annoncées, en fait, disons que le Minecraft Live en lui-même, dans sa construction, m'a frustré. J'ai aimé découvrir Minecraft Legends, il y a plein de trucs qui ont l'air sympas, voilà. Mais ils font monter la sauce, comme d'habitude, en faisant un show qui dure plus d'une heure avant de nous parler vraiment de la 1.20, alors qu'ils savent très bien que c'est ce qui intéresse beaucoup de gens. C'est fait exprès, hein. Ils font durer le suspense, tout ça. Mais l'année dernière, ou les années précédentes, ça avait super bien marché parce qu'il y avait des grosses annonces derrière. Il y avait un thème vraiment fort, la Wild Update, la Cave Update. Il y avait vraiment un gros truc à montrer. Et pas forcément... Alors, il y avait beaucoup de choses à montrer, mais il y avait surtout un thème, une thématique forte qui laissait espérer plein de choses. Ils sont revenus là-dessus, ils l'ont dit clairement, ils veulent pas décevoir les gens, donc ils veulent pas promettre monts et merveilles. Donc ils sont revenus à des annonces beaucoup plus petites. Mais ça manque d'un thème, ça manque d'un fil conducteur, clairement. Donc les blocs qu'ils ajoutent, j'ai rien contre. Ils nous ajoutent des blocs de bambou, on en a plusieurs variantes, on a les escaliers, les dalles, les portes, très très bien. J'aime beaucoup les fenêtres. Les fenêtres, elles vont être géniales pour faire de l'oriental, ça va être super. Donc très bien. Les nouvelles bibliothèques, très bien, j'ai rien à redire, ça fait un peu Dreadstone aussi pour les passages secrets, c'est de la belle déco, parfait. Le chameau, bon, ok, ça fera très bien dans un zoo, ils ont fait tout un pataquès de ce chameau dromadaire. Voilà, il est bien, j'ai rien contre, je préfère qu'ils nous ajoutent cette créature là plutôt qu'un truc inutile. Là, au moins, il y a un gameplay associé, il est beau, il est sympa, voilà. Mais il est où le thème? Dromadaire, oui, il n'y a qu'une bosse. Mais il est où le thème? Bah, il n'y en a pas. Alors, mon interrogation, c'est, est-ce qu'il n'y en a pas parce qu'ils n'ont pas voulu nous le dire, pour pas qu'on se fasse de fausses idées, pour pas que, voilà. Dans ce cas-là... Ils l'ont dit, hein, ils vont nous révéler les futures nouveautés au fur et à mesure, donc la 1.20 va peut-être prendre de l'ampleur, etc. Et on va peut-être deviner petit à petit un thème, c'est mon espoir, parce que l'autre possibilité, c'est qu'il n'y a pas de thème, et là je suis déçu. D'où ma frustration dont je parlais tout à l'heure. S'il n'y a pas de thème, si la 1.20 c'est simplement des petits ajouts de ci, de là, quelques blocs, un dromadaire, un sniffer... sans véritable fil conducteur, bah ça veut dire que la 1.20 elle restera pas forcément dans les mémoires. Il y aura peut-être une meilleure 1.21, j'en sais rien, on n'y est pas encore. Mais franchement, pour moi, ce qui fait la qualité des updates
depuis la 1.13, depuis la Aquatic Update, c'est vraiment que chaque update avait un thème. Il y a toujours un ou deux blocs qui sont un peu à l'écart du thème. Mais n'empêche qu'il y a un thème et que ce thème, il amène le jeu dans une direction. Et cette direction, qu'on l'aime pas, elle marque Minecraft. Et là, il n'y a pas de fil conducteur. Donc, du coup, frustration de ma part. J'attendais mieux. Et encore une fois, la construction du Minecraft Live fait que tu t'attends à une grosse annonce puisqu'il te garde ça pour la fin. C'est la cerise sur le gâteau, normalement. Et là, la cerise sur le gâteau, elle n'est pas extraordinaire. J'aurais préféré, à la limite, peut-être, je ne sais pas, hein, je suis pas à la place de leur community manager, hein, de leur... pas community manager, de leur marketing manager, je sais pas. Bref, leur directeur de com. Mais j'aurais aimé, peut-être qu'ils nous distillent quelques éléments en nous disant, voilà, dès le départ, en étant peut-être un petit peu... Ils l'ont dit, hein, ils l'ont dit, mais... En accompagnant ce propos de attention, on va pas vous faire de grosses promesses, en disant voilà, on va vous révéler petit à petit tout au long du show quelques nouveautés sur lesquelles on a déjà travaillé, mais pour l'instant on va pas vous faire de grosses annonces. Et s'ils avaient fait ça, la frustration elle serait passée un petit peu moins bien. Par exemple, ils annoncent Minecraft Legends et ensuite ils auraient pu nous montrer le bloc de bambou. Ensuite, ils nous parlent de Minecraft Dungeon et ils nous montrent le bloc de bibliothèque. Et puis après, ils nous refont le truc sur Minecraft Education, tout ça, et à la fin, ils nous montrent le chameau. Vous voyez, je pense que ça nous aurait conforté dans l'idée de voilà, c'est des petites choses qu'ils nous montrent pour l'instant. Ne vous attendez pas à un gros truc. Alors que là, ils nous ont dit, bon, il n'y aura pas de grosses choses, mais par contre, on vous fait poireauter, on vous montre toutes les nouveautés de tous les autres jeux Minecraft avec des super trucs et tout. Bon, bah, ça fait monter la sauce. Et ça fait monter la sauce pour pas grand-chose. Voilà. Voilà, voilà. Bon, c'est mon avis. Donc, encore une fois, j'ai rien contre les blocs qui ont été ajoutés. Ils sont bien. Vraiment le bambou, le bois, ça me va très bien. Plus de bois, je vous dis oui. Mais... Ici, ils disent, on renonce à l'effet d'annonce en vous promettant qu'au fur et à mesure des snapshots, la commu fera la mage. Oui, mais la commu, elle a besoin d'un... Pour moi, la communauté, elle a besoin d'un fil directeur. Elle a besoin d'un thème. Par exemple, si nous avait dit, on va travailler sur le lore de Minecraft et sur les anciennes choses, c'était cohérent avec le sniffer, et ça permettait peut-être de travailler sur l'archéologie. La communauté, elle veut l'archéologie, hein. Ben, je pense. Ils nous en ont pas reparlé. Ils auraient pu nous dire aussi, bon, on peut faire une nouvelle dimension. Avec le portail des cités, des anciennes cités, là. Est-ce que ça vous tente? On part là-dessus, et après, prendre les idées de la commune, ça je dis pas non. Mais c'est quand même eux qui mènent la barque. Ils peuvent pas laisser trop la commune. Enfin, il faut proposer quelque chose à la communauté, et après la communauté... dispose, mais si tu proposes pas grand chose, la communauté va te proposer des tonnes de choses, mais ça ne sera ni plus ni moins que du modé. Ah, j'ai oublié les nouvelles pancartes qui sont très bien. Nouvelles pancartes, très très bien. Je confirme, bonsoir. Salut Mich. Ouais, les nouvelles pancartes, très très bien. Ouais. Non, encore une fois, les blocs sont bien. J'ai rien contre. Mais ce que je reproche, c'est pas de fil conducteur, pas de thème, pas de... on sait pas où on va, en fait. Je vais me permettre de te couper, parce qu'en fait, pendant que tu discutais avec le chat, moi j'ai surfé de mon côté rapidement, et je viens de tomber sur un tweet qui fait référence à un message qui a été posté sur le Minecraft, sur le Discord officiel de Minecraft, mm-hmm. Et c'est un des devs, c'est King Docs qui dit ça, et qui dit, en l'occurrence, cette update, la 1.20, a un thème. Ah, d'accord. Il y a un thème. Voilà, il y a un thème, mais ils n'ont pas encore choisi le nom. D'accord. Donc, mais il y a un thème. Il y a un thème. Ils n'ont pas choisi le nom. Donc, ils ont décidé de ne pas révéler le thème pour ne pas créer, en fait, de faux espoirs. D'accord. Bah, c'est ce que je disais. Toi, ça faisait partie des deux hypothèses que j'avais et c'est la meilleure. Donc, c'est-à-dire, ils ont un thème, mais ils ne l'ont pas encore dit. Et ça me rassure. Et en exemple, ils donnent la Wild Update. Que tout le monde a dit, bah, c'est pas assez wild, tu vois, enfin, c'est pas assez sauvage, quoi. Parce qu'en fait, tout le monde s'est focus sur les anciennes cities. Mmh. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'ils disent dans le message, c'est que c'est pas les seuls
rajouts qu'ils vont faire, évidemment. Bien Il y en a sûr. d'autres de prévus. Et qu'en fait, Ils seront on cohérents. aura la surprise au fur et à mesure des snapshots. Oui, ça c'est pas mal. Mais, voilà. Et qu'en fait, la différence maintenant, c'est que toutes les ajouts qu'on a vus en live, ils sont. Attends, the difference now is that all the features with the show at live, c'est ça, c'est qu'en fait, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est déjà 100% prêt et fait, en fait. Je pense que c'est ça, en fait, la grosse différence qu'il y a. Alors, d'un côté, c'est vrai que je comprends et je suis un peu aussi frustré de pas avoir vu plus d'ajouts, enfin, tu vois, de Moi, pas avoir le thème, comme tu me dis, moi voilà, c'est des choses surtout comme le ça. thème. Plus d'ajouts, je sais pas, mais le thème et le fil conducteur, sans parler Ouais, c'est ça, ouais, mais en fait, savoir où c'est. ils vont, parce que là, pour l'instant, entre le bambou, le dromadaire, les porcartes et qu'est-ce que j'ai oublié? Bambou, dromadaire, Bibliothèque. pancarte et bibliothèque, on a du mal à voir un thème qui se dégage en fait. Il y a quand même. Il n'a pas été. Sans être question de thème, Enfin, il a quand même le lien, été quel est le dit. lien? Le lien, en fait, c'est d'ajouter. Alors, je vais être dromadaire à part, parce que voilà. Mais le lien, c'est d'ajouter du contenu pour les créatifs. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas. D'accord. Mettez-nous des Donc. dalles, nom d'une pipe, les Alors, escaliers en voilà. béton. Par exemple, voilà, je pense que ça serait vraiment le truc qui mettrait tout le monde d'accord, tu vois. Mais en tout cas, moi, c'est que j'ai compris. Après, j'ai pas. Comme on était en vocal, notamment avec Mickaël et honte à moi, j'ai perdu son pseudo, Mickaël, au secours. Ah, je ne sais pas avec qui t'étais en vocal, Mitch. J'étais C'est pas avec moi. Mickaël, c'est sûr, et c'était avec. On a honte! Oh, le trou d'un coup! Pas t'aider, désolé, je suis d'aucun secours. Constant, pardon Constant, excuse-moi, Egribi en début de sur la première partie. C'est vrai qu'on discute en même temps. Donc c'est vrai que par moment j'étais pas Ouais. forcément focus à 100% sur le live, et notamment au moment où il y avait du blabla. Bonne soirée, Libédia. Oui, évidemment, là, Ouais, tu bah sais, il y a oui. eu notre gros événement Minecraft Live. Il y en a un par an, donc forcément, on en parle, mais c'est très spécialisé, effectivement. Bonne soirée à toi, Ouais, Libédia, et puis voilà. à bientôt. Merci d'être Bonne passé faire un soirée. petit coucou. Et donc voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu principalement sur Minecraft Java Edition. Non mais si tu dis qu'ils ont un thème et qu'ils n'ont juste pas, enfin un thème, un fil conducteur, peu importe, c'est pas un thème, mais en tout cas c'est une idée qui va relier tous les petits ajouts entre eux, ça me va, c'était ma première hypothèse. Ils l'ont, mais ils veulent pas nous le révéler, et ça me rassure. Parce que vraiment s'ils l'avaient pas, j'avais peur que ça ressemble à rien. Après s'ils l'ont, ça veut dire aussi qu'on va nous le découvrir petit à petit au fur et à mesure des snapshots, c'est très bien. Et puis quand ils nous le révéleront, tant mieux si c'est cohérent. Donc ça va, ça me rassure. Ça me rassure. En tout cas, voilà. C'est ce que je peux dire là à l'instant T, en tout cas. Ah oui, c'est vrai, les 7 nouveaux skins. Oui, et oui, c'est vrai que je vais zapper ça, mais bon, c'est vrai que. Enfin, On s'en fout, nous, parce qu'on a les skins qu'on veut, en fait. ouais, c'est ça, ouais, enfin, la diversité. C'est vrai que Mickaël parle de diversité, Moi, je ça pense que m'arrange c'est pas pour ça Astroterre, parce aussi. que s'il faut qu'on fasse 7 persos. Non, je plaisante. Oui, alors après, c'est des nouveaux skins. Je plaisante, on en fera plus. Est-ce que les tailles de corps entre guillemets seront différentes? Je ne sais pas. Ah Ça, oui. sera la surprise qu'on aura. Ah oui. En fait, J'avais pas pensé à actuellement, ça, oui. on a que deux tailles de corps. On va Ouais, dire ouais, qu'on ouais. a le garçon. Enfin, pour schématiser, c'est très schématisé. J'ai un peu voilà, mais c'est homme-femme quoi. Oui, tout Ah, à fait. voilà. Est-ce qu'on aura des gens un peu plus grands, un peu plus petits, un peu plus trapus, un peu plus. A priori sur les images, J'avais pas sur les l'impression, moi. images. Moi non plus. C'est pas l'impression que ça me faisait en tout cas. Je pense qu'ils ont plus voulu diversifier sur les représentations ethniques entre guillemets. Oui, tout à fait, oui. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Bon, en tout cas, moi, je l'ai dit, mais j'en profite que tu es en vocal pour le redire. Je suis très content que l'E-Cube soit passé Oui, dans non mais. Minecraft Live. J'étais très 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 content pour toi en premier et pour toute la team WeCube dans un second temps, quand j'ai vu notamment le travail des gothiques apparaître en fait. Mais c'est vrai, quand j'ai vu la base dans End, je me suis fait, oh, trop bien! C'était voilà. Et j'ai.
J'ai voulu faire un clip. J'étais à ce moment-là sur Rise Like Pierre, j'ai voulu faire un clip. Et puis je l'ai pas fait au final parce que j'étais tellement content que j'ai pas réussi à le faire. C'est pas grave. Et Pierre va peut-être nous filer la vidéo, donc au pire. Ouais. Et moi, je l'avais jamais vu en fait, hein, parce que j'avais cet été, donc j'avais envoyé quelques vidéos à Pierre. Il nous avait demandé à toute l'équipe de l'Icube de lui envoyer des petits bouts de quelques secondes de vidéo. Donc, c'est des bouts de ma cinématique, hein, tout simplement sur oui, mon bah, oui, en plus, il avait un délai assez court, donc j'avais pas le temps de tourner des trucs de fou. Mais du coup, yep, j'étais. C'est, bien c'est étonnant, délai court pour demander cet été pour maintenant, là. C'est pour le 15 octobre, comme quoi, ouais, comme quoi s'anticiper largement en avance en fait. Tout ça. Bah ouais, mais alors, une chose que je trouve toujours magnifique dans ces lives, c'est les setups, les décors, ils sont beaux. Ouais, c'est très beau, hein, ça fait envie, c'était tu vois, sympa. J'ai envie d'avoir le même setup. Ouais, ouais, c'était sympa. Après, comme je disais, on en discutait en toute fin de séance avec les gars, pour connaître un peu. Tout ce qui est scénographé, etc. C'est des décors qui coûtent pas cher, ce entre guillemets. Oui, c'est du bois, enfin, c'est du bois et du papier, quoi. Oui, mais c'est efficace, franchement. C'est efficace. C'est par contre, les lumières, le travail sur les lumières, l'éclairage. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, c'est plein de petits détails, moi, ça me faisait rire, mais je m'en suis rendu compte, mais quasiment à la fin, la présentatrice avait une écharpe avec des fleurs. Avec, bah, d'ailleurs, avec Odon de Lyon. Donc, avec un fleur de Green Cube. Ah, oui, bon, ça. Je pense pas que ce soit. Non, je pense pas que ce soit lié, mais pour le clin d'œil, je trouve ça marrant. Oui, pareil, le fond de décor, le fond de panneau que j'ai vu au départ, j'avais pas réagi, c'était des têtes de creeper. Oui, c'était très chouette. Ça, je l'ai vu tout de suite, le panneau en bois là derrière. Voilà, l'espèce de bouche arabie derrière, ouais, voilà. Très sympa, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu, ouais. La tête du cochon d'Ibou, je l'ai pas vu, toi, Mickaël. Tu me l'as dit et je l'ai pas vu. Mais c'est vrai qu'en fait c'est plein de petits détails comme ça. Puis il y en a plusieurs. Il y avait le décor donc du Minecraft Legends, le décor du gars au chapeau qui est plus sobre, qui est plus voilà, le décor Minecraft 1.20, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais. J'ai bien aimé la petite vidéo à la fin pour conclure le stream avec le gars qui poirote à côté du train là. Oui, avec sur son dromadaire. Ouais. Puis le petit gimmick qui revient avec les grenouilles, c'était sympa aussi. Oui. La petite musique, tout ça, c'est pas mal. Ça m'a fait sourire quand tu sentais que le responsable des modèles 3D, justement, qui a l'origine de la grenouille et du dromadaire, tu ne sentais pas du tout à l'aise sur le plateau de pauvre. Ouais, celui que j'ai senti le moins à l'aise, c'est celui qui est venu présenter le bambou. Le bambou. Enfin, les blocs de bambou et puis le radeau. Ouais, j'en vois sa tête, mais ouais, peut-être. Hein. Mais un qui est jamais à l'aise, pareil, c'est. Et pourtant, comme il devrait avoir l'habitude, c'est Jeb. Pas Jeb. Jans. Si. Jans ? Attends, j'ai un doute. J'ai sa tête en fait. Bert, machin. Ouais, peut-être. Mais c'est son pseudo, c'est peut-être Jeb. C'est Jeb. C'est Jeb ? Mais son prénom, c'est Jans, je crois. Ils l'ont appelé Jans. Ouais, Jeb. C'est ça, c'est Jeb. Et c'est Jeb. Mais même, comment elle s'appelle, Jeb, la nana, la responsable. Je sais plus comment elle s'appelle. Agnès, voilà. Elle aussi, elle paraît pas tout à fait à l'aise. Même si elle en joue, mais. Ouais, mais tu la sens plus à l'aise que Jeb. Alors que, au fur et à mesure des années. Et la vidéo. Jeb... La vidéo de Minecraft Legends avec Jeb, elle est géniale. J'ai pas réagi. J'ai si, avec le. Tu sais, en fait, c'est la présentation. Oh, bah, ça, faut que tu la regardes parce qu'elle est vraiment trop bien. Donc, il y a Jeb avec son skin Minecraft, mais qui lui ressemble. Avec la petite queue de cheval, avec sa coupe de cheveux et tout. Et tu sais, qui va dans l'Overworld, qui se balade, et puis il rencontre les piglins, là, les méchants, et puis. Non, vraiment très très chouette cette vidéo-là. Ouais, d'ailleurs. Très très chouette. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va pouvoir jouer à Minecraft Dungeon sur multi, ça va être cool ça. En tout cas, moi je serais curieux de tester, tu vois. Minecraft Dungeon Minecraft. Legends. Legends, d'accord, c'est moi qui ai mal compris, pardon. Oui, c'est vrai. Oui, en plus, il sera sur le Game Pass, donc moi, je lui jouerai, c'est sûr. Ouais. J'essaierai. Ouais. Après, j'ai regardé des trucs, il y a des éléments de l'interface que j'aime bien, notamment le book, le livre, je l'aime bien. Ah, le livre. Et la carte. Ouais. Ah, sur Legends ou sur Donjon? Non, sur Legends.
Ah ouais, il va falloir que je reprenne Si ça. tu regardes un screenshot de l'interface, puisque c'est la première fois aujourd'hui qu'on voyait l'interface en jeu, je pense. En tout Oui, cas, bah moi, oui, c'est la bah première oui, fois parce que je la voyais. on a eu un vrai on Un a eu vrai droit à gameplay. une vraie, un vrai gameplay. Eh bien, en haut à gauche, tu as une icône pour la map. Alors, ils n'ont jamais cliqué dessus, donc on n'a pas vu à quoi ressemble Ah la oui, carte. d'accord. Ah Mais oui, pardon, l'icône me plaît plutôt bien. Et juste en dessous, il y a un livre Minecraft. Ah Et il est ouais, plutôt sympa. sympa, je trouve. Il est pas Sympa. mal. Merci Miguel pour les screenshots sur le Discord. Là où il a piqué le concept d'Astroterre avec les portails. Oui, mais par contre j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'idée des quatre alliés, enfin je sais pas comment expliquer, que tu dois de la force, l'agilité, je trouve ça marrant comme concept. Alors ça, j'avoue, je suis passé à côté. Ah bah, en fait, bah, les espèces de bonhommes en bleu qui étaient dans la vidéo. En fait, c'est. Là, je pense que je vais me faire aider par le chat. C'est l'agilité. Ah, attends, c'est quoi là? C'est. Ah, alors attends, parce que c'est l'action. Ah, je sais plus. Mais en fait, c'est quatre. En gros, c'est ce qu'ils ont estimé comme étant les quatre éléments qui font que tu joues, quoi. D'accord. Après, Par exemple. au niveau des portails, sachez tout de même que c'est Greby hein, qui m'a très fortement inspiré sur l'utilisation des portails comme élément central de l'intrigue du jeu Astroterre. C'est Greby hein, qui avait eu cette idée d'utiliser des portails pour passer d'un endroit à l'autre. Je vous passe les détails. Et bref, c'est Greby qui m'a largement inspiré pour ça. Bon, puisqu'on revient à Astroterre, après avoir beaucoup parlé de Minecraft. Ah, une demi-heure d'intro, ça Va, va. ça va. On a fait pire. J'ai changé un peu mon fusil d'épaule par rapport à ce que j'ai dit hier. Oui, c'est vrai, Minecraft Story Mode avait aussi déjà pas mal poncé le concept des portails. C'est peut-être ça qui avait inspiré Greby aussi, je ne sais pas. Mais moi, J'aimerais je connais que moins Story Mode. jamais joué donc comme ça. Cet après-midi, après avoir fini mes corrections, j'ai resté à peu près 3 quarts d'heure de sieste à mon petit bout. Et du coup, j'en ai profité pour faire les animations. Je continue un petit peu les animations. Et j'ai fait les animations de Crossbow. Je vous les montre vite fait. On va lui faire un H, c'est dommage. Alors, J'aime plus l'utiliser. je voulais faire la hache, mais la Ouais. hache elle arrive plus loin dans le sprite Ah sheet. oui, d'accord, donc tu les as Et fait dans l'ordre. j'ai préféré faire dans l'ordre parce que je me suis dit si Ok. je commence à faire dans le désordre, après je vais me perdre. Ouais, non, mais pas de Donc j'ai fait soucis, dans surtout. l'ordre. Mais c'est vrai que Ça au s'entend. début je voulais faire la hache. Mais bon, ouais, je vais faire l'arc. Donc j'ai fait l'arc, mais de toute façon j'ai fait que pour Jack, et j'ai même pas exporté, parce que je me suis dit que j'exporterais quand j'aurai la hache. Donc j'ai juste fait ça. Ok. Et j'ai juste eu une demi-heure, 3 quarts d'heure, donc voilà, c'était histoire de faire un truc sans rentrer dans le code, en fait. Ouais, bah oui. Et du coup ce soir, là, avant de lancer le stream, j'ai regardé un peu comment était fichu le code pour la barre de points d'action. Donc la barre de points d'action, elle est sur le côté, elle apparaît en même temps que l'interface de combat. Et ensuite, elle est composée d'un conteneur, une marge. Et à l'intérieur, il y a un nœud de contrôle. Donc ça, c'est très bien. Et il y a deux textures qui se répètent en fait. Et tu vois, au début, la taille, c'est 36 pixels. Ce qui correspond à la Ouais. taille de l'icône. Et plus on a de points de vie, plus on étend la taille en répétant la texture. Ah, ok, Et d'accord. Et pour comme le ça, principe, c'est qu'en comme... fait, on a en dessous la barre vide qui correspond au max de points d'action. Et au-dessus, la barre pleine. Et à chaque fois qu'on D'accord. consomme des points d'action, on Ouais, diminue la taille de donc. la barre pleine. De 36, d'un facteur 36, du coup apparaissent les gigots vides en fait. D'accord, ok. Alors, du coup, je me dis, et en plus, le code qui gère ça, il est déjà fait, hein, il est assez Oh bah simple. oui. Alors là, il gère que le player, mais il va pas être très compliqué à modifier, je pense. On va faire ça ce soir pour gérer les autres entités. Je pense que c'est plutôt simple.
Donc, tu garderais ce principe-là, en fait, de Donc, partie... finalement, au lieu de partir sur ce que j'avais dit, de faire une petite scène par gigot et puis de les stacker, je garderais bien ce principe parce que finalement, il est simple et efficace. Mais il y a un mais. Mais le problème, c'est pour mettre en surbrillance les gigots. Ah bah oui. Rappelez-vous, l'idée, c'est de mettre en surbrillance les points d'action que coûte une action. Par exemple, on se déplace de deux blocs et de deux cases, eh bien, il faut mettre en surbrillance deux gigots. Et le problème, c'est que là, en fait, la barre, elle part du bas. D'accord ? Donc, mon idée, c'est de rajouter une troisième barre, invisible la plupart du temps, celle des gigots en surbrillance, et de donner à cette barre la bonne taille. Par exemple, si on a besoin de surligner un seul gigot, on lui donne la taille 36 pixels. Si on a besoin de 72, etc. Donc ça, c'est facile à faire. Mais le problème, c'est que ce seront les gigots du bas qui seront mis en surbrillance. Ouais, mais en soi, les gigots du bas... Et eh bah ben, c'est pas ceux qui sont consommés. Ceux qui sont consommés, oui, c'est ceux du haut, en fait. Ouais, donc, en fait, il va falloir faire un script. Ça, c'est... Enfin, je pense que ça peut se calculer facilement. Pour que... Pour, en fait... déplacer... En fait, ton point d'origine de ta scène avec tes gigots entourés... Ne sera pas en bas. Il sera calculé en fonction de la place où il doit être, en fait. C'est ça, en fait, il faut déjà qu'il soit en haut de ta scène, et en plus, faut qu'il soit déplacé en haut. Bah, en fait, faut dernier gigot restant, en fait. Oui, voilà, exactement, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. C'est ça. Alors ça, c'est la première solution. C'est un peu... c'est la première solution. Yep. Si on peut faire ça, mais je sais pas... pas si on va pouvoir déplacer la hauteur dans notre marche conteneur, en fait. Je me demande si le marche conteneur va pas nous faire chier. Après, ça peut changer. Alors, ça peut changer. Sinon, l'autre solution, c'est de mettre une quatrième barre avec juste le tour noir des gigots. Et en fait... De jouer sur la superposition des barres pour que, imaginons, on a 4 gigots et on veut mettre en surbrillance les deux du haut. D'accord ? Eh bien, on dit à la barre blanche, enfin la barre surbrillance, de surbriller les 4, mais avec la barre noire, de surbriller les deux du bas. Ouais. Tu vois, pour qu'il n'y ait que les deux du haut qui soient en blanc. Oh ouais ! Tu vois ? Ouais. L'avantage de faire ça avec 4 barres, bah c'est qu'en fait, on peut continuer à partir du bas, en fait. Alors, et on très sera... honnêtement, alors, je comprends l'astuce, je la comprends. Elle est pas élégante, entre guillemets. Parce qu'en fait, tu triches. Oui, mais de la même façon qu'on va tricher avec la surbrillance. Bah non, parce que ta surbrillance, en fait, en soi, tu ne triches pas. Tu surbrilles bien. Enfin, tu mets oui. bien en surbrillance. Avec autre solution, tu mets bien en surbrillance que tu es censé mettre en surbrillance. Alors que là, en fait, t'en mets plus et t'en caches une partie. Ouais. Tricher, c'est souvent élégant en algo. Mais je pense que ça sera plus simple à coder, ce que je viens de dire, de cacher là avec l'autre barre, que de faire ce qu'on disait avant, de changer les coordonnées de la texture pour l'ajuster en taille à... Ouais, parce que... À la bonne position, si tu veux. Ouais. Tu vois le problème. C'est trop carrément. Quand le mec, il se défonce. Non, mais t'as tout à fait raison. Enfin, de toute façon, ce soir, je suis pas sûr qu'on ait le temps d'atteindre la surbrillance. Il est déjà tard. Keep it simple, stupid. Moi, je connaissais le kiss, mais je le connaissais avec keep it simple and smart. Kism. Donc Kiss. Ouais. Bah pareil en oui, fait, oui, smart, même, oui, voilà, smart. Ouais. Keep it simple and smart. C'est un peu le it's the economic stupid, un truc comme ça. Bref, donc déjà ce soir, on va faire en sorte que les gigots s'adaptent à l'entité qu'on sélectionne. Salut Constant. Rebonsoir. Je ne dirai pas, je ne raconterai pas. C'est moi qui vais raconter parce que j'assume.
Alors, Mais... il assume, mais sa voix disparaît en même temps qu'il dit j'assume. Ah, Je sais pas ce que. j'assume? Non, bah, c'est que je vais peut-être passer les mains devant le micro, c'est pour ça. Oui, je pense que c'est ça. C'est que j'ai. Avant que tu arrives, enfin, au début de live, on a débrief avec Oran, Minecraft, enfin, la Minecon live. Et j'étais en train de dire à Oran que j'étais en vocal avec Mickaël. Et à ce moment-là, mon cerveau a bugué et j'arrivais pas à retrouver ton pseudo, mon cher Constant. Il a fallu que j'aille chercher sur le Discord dans tous les pseudos des gens pour retrouver, en fait. Désolé. Voilà, toutes mes confuses. Alors, ce qui est vachement cool dans le script actuel, c'est qu'il y a un setGet déjà implanté. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire qu'à chaque fois que je change le max action point, automatiquement, ça ajuste la hauteur. À chaque fois que je change le action point, ça change la hauteur aussi. Donc ça, on va le garder, ce setGet. Par contre, ce qui va pas, c'est la fonction ready, parce que la fonction ready, elle se connecte au point d'action du joueur. Or, il faut pas qu'on fasse ça. Faut qu'on se connecte au point d'action du personnage sélectionné. Donc il va falloir qu'on change cette partie-là du script. Ensuite, il va falloir qu'on arrive à mettre à jour automatiquement les points d'action quand on les utilise. Donc il va falloir qu'on fasse un signal. Simplement à chaque fois avec l'entité et. L'entité et le nombre de points d'action. Donc du coup, là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on récupère le même signal qu'on utilise avec les raccourcis pour savoir quand il y a un joueur qui est sélectionné en fait. On va utiliser le signal déjà existant puisqu'il nous sert à ça. Donc, où est-il ce signal? Que je le reconnaisse. Il a shortcut. Area. Donc c'est le Selected Playable Entity. Unselected Playable Entity Update. C'est ça qu'il nous faut. Donc on va se connecter à ça. Action.ui dans la fonction ready. Donc ça, on le vire. Du coup, on n'a plus besoin. On va fonctionner autrement. Et donc on va créer une fonction. On va appeler unselected playable entity update. Par contre, il faut que j'aille voir le global script. Et donc, on émet un nœud, et uniquement le nœud, pour récupérer l'entité qui est sélectionnée. Très bien. Donc, il nous faut le nœud. On va l'appeler entity node. Comme ça, on sait qu'on récupère ça. Donc, maintenant qu'on a le nœud, on va faire un self.entity Ah bah ça aussi il faut qu'on l'enlève en fait. Attendez. En fait, oui non en fait c'est tout. Je vais mettre mon entity node max action point. Et là, j'en remets ça là en fait. Sauf que max action point où je sauvegarde. Est-ce qu'on a bien dans le script du player les bonnes stats ou pas du tout? Peut-être pas du tout parce que pour le joueur, c'est peut-être pas. Ouais, c'est dans ça, ouais, c'est dans les stats. Ah, ça c'est chiant. C'est qu'il y a de légères différences entre le fonctionnement du player et le fonctionnement des alliés, en fait. Ça c'est juste. C'est pas compliqué hein, en soi, c'est juste un peu chiant. Et du coup, eux par contre, les allies, ils ont. Init action points et action points et ils ont max action points. C'est quoi init action points? Ne sais pas. Bonne question. Je ne sais pas. Donc, du coup, dans notre
script ici. Faut qu'on sache si c'est le joueur. Donc if entity node égale. Non, c'est quoi entity node point name. Non, point type. Type égale player et ally, on a type égale ally, bah, c'est ça. Ok. Donc on va juste faire ce petit test là. Donc si le type c'est égal à player, et en fait on va reprendre ce qu'il y avait avant, mince, mais que j'ai cassé du coup. Donc c'était quoi? C'était player stat. Voilà. Hop. Else. Et sinon, ça veut dire que c'est un allié. Ah tiens, je parfouille les news Minecraft en parallèle de t'écouter. Les 7 nouveaux skins, on se posait la question cet après-midi, ce soir. Il y a 7 nouveaux noms en fait. Chaque skin oui. aura son nom. D'accord. Alors attendez. Donc passons en mode combat, donc là c'est Creeper, ça m'intéresse pas. Et qui c'est pas le bon. Allez Alex. Donc là. Là il y a juste un gigot parce que j'ai personne de sélectionné. Donc c'est le truc de base. Si je sélectionne, paf. Ça y est, j'ai mes 8 gigots pour Alex. Ah. Ok, donc if entity, donc là j'ai un crash parce que j'ai un nœud qui est nul en fait. Donc il faut que je fasse que si le nœud est nul, je n'exécute pas cette fonction. On recommence. Donc là c'est Alex qui va jouer. Hop, donc là j'ai bien 8 gigots. Hop, après c'est à Steve de jouer. Et merde, j'ai le bug où je peux pas le sélectionner. Crotte. Ah. Je sais pas d'où il vient ce bug, mais il me fait chier parce que il m'empêche de tester. Et voilà. Et là j'ai sélectionné Steve Junior et je suis passé à 4 gigots. Tu vois, ça a marché. Ouais. Parce que là pour l'instant j'avais fait en sorte que les alliés aient que 4 points d'action. Oui, bah oui. Alors là pour l'instant par contre si je bouge ça va pas changer, c'est juste l'initialisation. Ouais, l'initialisation fonctionne. Donc maintenant il faudrait que je fasse que quand j'ai personne de sélectionné, j'ai aucun gigot qui apparaisse. Yep. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Donc fonction ready, on va juste faire, on a action point UI, donc en fait on va la mettre en... invisible en fait. Point invisible égale false. On se fait pas chier. Hein. Et là donc on va mettre si c'est nul on met false. Non on met true. Et là normalement ça devrait être bon. Là j'ai personne de sélectionné, je ne vois pas les gigots. Je passe autour du joueur. Ah je vois les gigots. On voit qu'un par contre. Ouais, pourquoi? Alors attends, dans ta fonction, je crois que t'as fait une toute petite boulette. C'est j'ai mis deux fois égal. Alors, c'est ça la boulette. Moi, c'est ça la boulette? Ah, d'accord, ok. Mais pour moi, c'était pas ça d'ailleurs. Si, c'est juste. Pour moi, c'était. C'est ça la boulette. Alors, ouais. Et pour moi, c'était remplacement de ton deuxième trou en fait. Ah, c'est donc, bon, ça marche. Regarde, tu vois là, okay. en fait ça marche, mais ça marche pas comme je voulais, mais il faut que je change. C'est parce que j'ai pas pris le bon nœud. Mais tu vois, ça marche là, le gigot il est vide. Ouais, okay. Je sélectionne, c'est bon. Je désélectionne, et c'est vide. Mais j'ai pas sélectionné, c'est pas le bon nœud qui devient visible ou invisible. Donc c'est le. Alors, hop, c'est
le Action Points UI, je me suis fait avoir par le nom en fait. Ça va être un guet-parent sûrement. Ouais, ouais, au pire, tu peux prendre de... Ouais. Ah, attends, on va mettre plutôt Action Point UI, on va lui changer de nom par contre. Je vais l'appeler Control. C'est le nœud qui contrôle tout en fait. Ouais. C'est pas terrible comme... On va changer. Donc là, ça va être full. Change. Je m'absente 2 minutes. Comment? Ah, tu t'absentes 2 minutes, ok, pas de soucis. Salut Case Pudding. Minecraft 2 again. Oh non. Non, non, pas du tout. Donc en fait, c'est celui-là qu'il faut mettre en false. Donc, ready. Voilà, et du coup là on va mettre cool. Et du coup là faut qu'on change. Pour être cohérent. Hop, on reteste. Hop, donc là il se passe rien. Là, c'est à Steve de jouer, il n'y a rien. Je sélectionne Steve, les gigots apparaissent. Je le désélectionne, les gigots disparaissent. Donc, on est bon. Là, je sélectionne lui, les gigots apparaissent, les gigots disparaissent. Très bien. Et normalement, si je vais jusqu'à Alex, ça va passer. À la place du return, un else serait plus visible car tu ne retournes rien. Ah mais le return c'est pas pour retourner quelque chose, le return c'est pour quitter la fonction. C'est pas, enfin je peux utiliser le return pour un renvoi, mais là comme ma fonction ne renvoie rien, là le return ça fait juste quitter la fonction. Donc c'est pas un else qu'il me faut, là je veux carrément quitter la fonction en fait. Je veux pas exécuter la suite du code en fait. Et là ça marche. On a bien les gigots update. Et c'est du cactus qui pique. Bah c'est inspiré du Python, mais c'est un langage propre à GDScript. Hop. Donc tu vois, en fait là, le return, il me permet de quitter la fonction unSelectedPlayable entity update. Et je ne veux pas exécuter la suite en fait. Donc c'est pas un else qu'il me faut. C'est carrément. Enfin, j'aurais pu mettre un else, mais après il faut que tout que j'indente et tout. Alors qu'en fait là, ça break en fait. Alors que si je mets un else, à la fin de la boucle, la fonction pourrait toujours s'exécuter en fait. Il n'y avait pas le return. Alors maintenant, il faut qu'on update ça. Donc. Pas de soucis, absolument. Je précise que je code depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. Donc j'ai encore tout à apprendre, hein. Beaucoup de choses à apprendre. Et je code de manière très... Alors, autodidacte, c'est pas le bon mot parce que j'ai appris avec des tutos, j'ai pas appris tout seul. Mais en tout cas, je suis pas un ingénieur, je suis pas un informaticien, je suis pas programmeur, je suis pas développeur, je suis rien du tout de tout ça. Donc du coup, Je connais mal toute l'ampleur des possibilités et il y a sûrement des choses que je fais de manière très alambiquée, artisanale, amateur, alors que quelqu'un qui s'y connaît mieux dans ce métier forcément ferait bien mieux que moi, bien plus efficace hein, en termes de code. Hein. Moi, c'est très, très amateur, comme je le dis. Très amateur. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être d'émettre un signal... pour le player, player stats, est-ce que je l'ai là, player stats, non je l'ai pas là, on va aller chercher ici, player stats, c'est une scène, hop, player stats, donc on a un signal, c'est parfait, on a un signal, ah,
Ingénieur informaticien. Je suis ingénieur informaticien, mais je connais pas après la suite. Donc c'est parfait parce que là on émet déjà le signal, donc on va pouvoir récupérer ce signal là. Seul problème. Max action point changed. Global script path modification. Oui, en fait c'est ça. Player. Oui, en fait, il va falloir que je fasse la même chose, c'est-à-dire qu'il va falloir que je passe par le global script pour que ce soit le même signal émis par les alliés et le joueur. Donc en fait, il va falloir que je change ça et que je fasse donc max action point changed, mais que je le mette action point change. Il va falloir que je le fasse en global script. Je travaille parfois pour Airbus, j'ai vu des ingénieurs qui codaient moins bien, rassure-toi, c'est plutôt propre, au contraire ce que tu fais, j'ai rattrapé tes devlogs et je trouve que tu fais un travail très bon. Bah c'est... Alors ça me fait très plaisir, merci beaucoup, c'est très gentil. Après du coup si t'as rattrapé les devlogs, c'est super Absolum, et mais sache que les devlogs je vais plus beaucoup en faire. Par contre je fais des récaps, donc je sais pas si t'as vu. Mais depuis août à peu près, à chaque fin de stream, je fais un petit récap de ce que j'ai fait. Par contre, je présente un peu moins le code. Enfin, je sais pas trop si c'est. Enfin, bref. Voilà. Alors, global script. Oup. Donc, il est où notre max health? Health. La health modification. Ok. Et donc, du coup. On va faire en même temps, on va faire la même chose pour l'évolution de des points d'action. Des points d'action, pas n'importe quelle entité, c'est des entités. Bah, c'est du joueur et des alliés. Du joueur et des alliés. Hop. Utile pour la barre des. PA. Hop. Merci beaucoup pour la playlist des récaps. Playlist des récaps d'Astro Terre. Parce qu'en fait, on avait déjà. Attends, je fais un test. On avait déjà une commande devlog. Et ouais. Et en fait, il faudrait que je mette à jour cette commande pour ajouter le. Pour ajouter le récap en fait. En expliquant, j'ai l'impression que mettre une ligne de code fait fuir le chaland, garder un aspect plus fonctionnel et moins technique doit amener plus du public. Non. Peut-être. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de stream. Il y a un peu plus de personnes sur mes streams dev en ce moment. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y ait des récaps? Je sais pas. Mais mes récaps présentent un peu plus les fonctionnalités qu'on met en place plus que le code en fait. Par rapport au devlog. Et c'est peut-être mieux. Je sais pas. Et après peut-être que tes récaps justement. Donne envie de voir comment c'est fait. Peut-être. En gros, mince, attends, mais. Il met tel truc en place, mais moi qui code, ou enfin, tu vois, qu'il y a une personne qui peut t'intéresser derrière, mais comment il a fait ça, et donc venir voir comment t'as fait. Peut-être. Après, là, j'ai fait deux récaps, celui de la semaine dernière et celui d'hier, qui duraient 6 minutes. C'est trop long. Trop long. J'avais dit que les récaps, c'était 3 minutes. J'ai pas regardé celui d'hier. Comme j'étais en compte avec toi, j'ai pas. T'as bien fait. Je t'avouerais que j'ai pas pensé à en regarder. Enfin, je l'ai vu passer. Oui, non, mais je sais bien, je sais bien. Hier, c'était Samuel Etienne, ce soir, c'était Minecraft Live, je sais pas. Je suis désolé, je te coupe, je te permets pas. Autant hier soir, certes, mon cœur balançait, autant ce soir, c'était prévu que je sois avec toi. Premièrement, d'habitude, tu stream pas vendredi. Enfin, c'est vrai que c'est plusieurs vendredi où tu streamais pas, ou sur des... Voilà. Et donc, ça me permettait d'avoir mon vendredi soir... Pour pouvoir regarder tranquille, ça. Tranquille, ouais, J'admets. Ça, c'est la première étape. La deuxième chose, tu. Je sais plus ce que je voulais dire. Ramasse. Je me suis bouffé tout seul dans ce que je voulais te, ouais. Te dire. Bon. Ça arrivera. Hey, coucou, Raph. Alors, max action point change. Donc là, Mimi, ça marche nickel maintenant.
Quand je suis en jeu, quand on passe d'un joueur à d'un allié à un autre ou au joueur, la barre se met automatiquement à jour avec les bons points de vie. Emeric Maintenant. Vess, parlant d'Alzheimer, c'est pas moi qui ai oublié de faire l'annonce sur Discord ce soir. Il n'y a pas eu d'annonce sur Discord? Bah, dis donc, heureusement qu'on est à deux à bosser sur le projet. Bah, normalement, elle est automatique l'annonce. Pourquoi elle n'a pas eu lieu? Ton annonce. Bah si, il y a une annonce, Attends. regarde. Juste en dessous, Diff Aventure, Boat. Juste en dessous de la tienne. À 21h13. Ah, c'est que. Ah, bah, c'est que ça a été ultra loin à faire l'annonce. En fait, j'ai plus besoin de faire des annonces manuelles. Donc je peux plus oublier. C'est automatique. Grâce à Ah, Grilly. bah. Ah, bah, my bad. En fait, j'ai pas. En fait, je t'ai vu en live. Mais Et ça en prend fait, quelques habituellement. minutes en fait. Donc. Ouais, mais habituellement, en fait, l'annonce. Non, c'est que Se. habituellement, t'arrives à la bourre en fait. Alors, non, je m'apprête à dire habituellement l'annonce se fait, et ensuite, toi, par exemple, tu te mets en vocal, tu lances ton live, enfin, tu lances réellement live en fait. C'est toujours dans ce sens-là. Et là, ce soir, je te vois en live, je te vois sur le record, je te vois sur le channel live, avec le micro démuté, en Ouais. disant, tiens, c'est étonnant, Je me suis démute pendant l'intro. j'ai pas vu l'annonce. D'accord. Et je vais voir sur Twitch, je vois que t'es en live, et je vois la fin de la scène d'intro. Donc je me suis fait, oh, il a pas fait l'annonce, on va faire l'annonce. Mais bon, sache maintenant que j'ai plus besoin de faire l'annonce, puisque elle se fait automatiquement depuis 2 ou 3 semaines, donc Ouais, bah en Gréby a fait, codé ça. même 2 3 semaines, je crois que tu peux compter en moi. Ah ouais, tu crois? Purée. Oh, ouais. Mais en tout cas, et puis bon, j'ai une annonce automatique sur Twitter, donc du coup j'ai la flemme de faire une annonce personnalisée, donc je laisse l'annonce automatique. Donc du coup je Non, fais mais plus d'annonce, mais ça se fait tout seul. je voudrais t'embêter, ça me retombe dessus comme d'hab. Max Action Points. Donc tu vois, 21h05 chez toi, Mickaël, et 21h13 sur Rediff. Ça fait 7. Ouais, c'est ça, 8 minutes même d'écart. Le bot sur mon Discord l'a fait, Mimich. Ah ouais, d'accord. Mais j'ai pas. Il En était plus fait. rapide que le bot sur le nôtre. En fait. Bon, c'est pas grave. Alors, Max Health. Mais chez toi, Mickaël, j'ai quasiment tout muté en fait. Parce que sinon, ça fait trop d'annonces. Alors, ce signal-là, en fait, il change pas grand-chose. Enfin, je sais même pas pourquoi j'ai mis Earth et PA. Ah, c'est AP, du coup, en anglais. Max AP Change. Hop. Est-ce que je laisse AP ou est-ce que je mets Action Points? Allez, on va mettre Action Points. Max Action Points Change. C'est bien, c'est que je n'ai même pas besoin de répondre en fait. Non mais je t'ai entendu. J'ai entendu ta petite voix dans ma tête. Me dire, ce sera plus clair pour plus tard. Rien dit. Pas besoin. Donc là j'avais mis max action points. Ouais par contre, c'est pas ce que j'ai mis là-haut. Attends. Ce qui est bien, c'est que c'est pas moi qui me le dis, Absogon. Max action points. Faire les communes de caractère n'est jamais une bonne idée. Oui, il y a l'autocomplétion. Mais pas toujours. Bon, après, un petit copier-coller, c'est rapide aussi. Ça fait. Donc du coup, on a besoin d'une autre fonction qui s'appelle donc action points changed. Et là, c'est juste action points, action points. Et c'est action points change. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai créé mes deux fonctions. Donc du coup, dans le player stat, ici, tu te souviens, Mimi, si on a un moyen de savoir tout
tous les scripts connectés à un signal. Tous les scripts connectés à un signal. Bon, voilà. Bah, sinon, je vais faire une recherche. Alors, peut-être, mais... Autoload. Non, bah d'accord. Ok. Non, donc c'est bon, il n'y en a plus, en fait. Ok. Donc, en fait, ce signal-là, je peux le virer. Je peux le virer. Hop. Bon, moi je t'aurais dit peut-être qu'en regardant sur dans les signaux connectés, quand t'es pas en plein écran, enfin comme tu vois, je veux dire. Puisque du coup maintenant on va passer par le global script pour émettre ce signal. Et par contre il nous faut le nœud. Et c'est player. Et du coup là on passe par le global script également action points et là on fait player aussi. Ok, donc là la seule chose qui change c'est que au lieu que ce soit le joueur qui émette son propre signal, maintenant c'est le global script qui va émettre le signal, mais l'avantage c'est qu'en fait on va pouvoir faire en sorte que les alliés émettent le même signal. Ensuite, bah, du coup on va le faire pour les alliés. Donc, oup, un petit copier-coller. Je vais mettre là. Et donc du coup, set max, donc là on a besoin d'un set get. Donc on va faire la même chose qu'ici. Ah mais attends, pourquoi il n'y a pas de... C'est bizarre ça. Ah, ça marche pas comme ce que je pensais. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça, mais on va devoir sûrement modifier ça. Alors, action point. Hop, hop, c'est pas ça. Donc, j'ai pas pris le set get. Après, ça, c'est pas. Set get, donc set action points. Pourquoi j'ai pas fait ça pour l'autre truc? Ah oui, mais ça c'est max, set max action points. Et là c'est set get, set action points. Voilà. Eh ouais, refaire tous les configs de mode, c'est fastidieux, effectivement. Et donc, set max. Donc là, on a besoin max action égale value. Oui. Action points égale. Donc là, on a value en fait. Ah mais c'est pas la même chose. Ah merde. Ah. Ouais si on peut. Ouais. Oui. Ok. Ça va marcher quand même, je pense. Et donc là, c'est pas node, ça va être quoi? Ça va être node, ça va être quoi? Ally node.
On va faire un test. Et pour tester dans GlobalScript, on va faire un print ici, print. Donc, entité perdant DPA. Point. Add. Int. DPA. Nouveau PA, hop, point. Alors, on va voir si ça marche. Non, ça crache. Alors, c'est à Steve de jouer. Donc là, il a 4 PA. Si je bouge, j'ai des messages d'erreur. Ah, je me suis planté dans le nom du script. Underscore. Non, je sais, c'est que c'est pas un signal qu'il faut que je fasse. Ah, putain, mais quel couillon. Mais quel couillon. C'est la fonction qu'il faut que je fasse. Ah. C'est pas le signal direct. Je me suis. J'aimais pas le signal en fait. Je fais la fonction. Voilà. C'est le global script qui va mettre le signal. Moi, je me contente de lancer la fonction. Voilà. Let's try again. Donc, tour du joueur. Je bouge. J'ai des bugs. Qu'est-ce que j'ai fichu? Ah bah oui, parce que j'ai pas changé pour. J'ai pas changé pour le joueur. Que pour les alliés. On va y arriver. Pas de panique. On va y arriver. Même si on a une musique de l'angoisse. On va zapper d'ailleurs. Let's try again again. Hop, 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 hop. Allez. Alors, c'était Alex de jouer. Ça a marché. Elle a perdu un PA. Et mais en plus, je pensais pas que ça marcherait tout de suite, mais si, ça marche tout de suite en fait. Le truc est plus efficace que ce que je pensais. Point faible, trop fort. Bah, au fur et à mesure que je me déplace, hop, faire des PA. Ça marche, purée. Ah non, ça bug, je peux pas sélectionner. Le Ah bug, il est purée. pénible. Hein. Fuck. Je sais pas d'où il vient ce bug, faut vraiment que je le corrige. Marche mieux que ce que je pensais. J'ai peut-être une idée à vérifier ton bug. Hop, alors Steve, est-ce que je peux te sélectionner? Oui, je peux. Donc. Voilà. Voilà. Alors ça a marché, mais c'est pas logique. Pourquoi?
Ah, il y a un problème. J'ai des points d'action à l'infini. Ah ouais, ça. Ça marche. Là, le problème ne vient pas du script que j'ai modifié. Je pense que. Enfin, oui et non. Mais ça vient du setGet que j'ai rajouté. Ça vient pas de la barre d'action en elle-même. Ça vient du script de l'ally, en fait. Parce que ça le fait pas pour Orana. Orana, elle perd bien ses. Et vous avez un doute aussi sur Allié, c'est que j'avais l'impression que tu avais vachement de points d'action au départ. Non, Du coup, j'en avais ce que que. Non? 4. Ok. C'est pour Arana que j'en ai plus. Mais ta barre en fait de déplacement était vachement. La zone de déplacement était Ah, vachement large je vais pour 4 points. vérifier. Je vais vérifier. Peut-être. C'est pas avec cette vidéo. Alors, 1, 2, 3, 4. Non, a priori, c'est bon. Par contre, là, si je bouge de 1, je perds 3 PA. Tu vois, c'est pas normal. Ouais, donc ouais, t'as un bug par contre, ouais. Là, j'ai un bug. Je devrais perdre que 1 PA. Et puis après, j'en perds plus. Mais au Ouais, moins. en fait, tu passes de 4 à 1, Et tu après, je restes à reste 1 par bloqué à contre. 1. Donc, il y a un Ouais. problème. Par contre, au moins, ça marche. Les PA, enfin, les gigots qui s'affichent sont les bons. Yep. Les gigots qui s'affichent sont les bons. Donc, déjà, c'est pas mal. Et donc, ouais, pour le bug de Alex pas sélectionnable, à tester pour Alex, Steve, pardon, pas sélectionnable. Non, c'est tout à l'heure que tu n'arrivais pas à sélectionner tout à l'heure. Bah, c'est Steve. Ouais, c'est Steve. Tu es censé jouer avec. Enfin, en gros, c'est toi, puis après, c'est Steve. Et en fait, je me pose la question si c'est pas quand tu commences en premier et que tu te déplaces. Parce qu'en fait, c'est ce que tu as fait, tu vois. Tu joues avec ton personnage en Ouais. premier. Tu t'es déplacé et après quand t'as passé le tour tu pouvais plus sélectionner Steve. Ouais. À vérifier prochaine fois qu'on a la situation si c'est ça ou pas. OK. Alors, c'est le script. C'est quel script? C'est le l'allié, ça? Non, c'était pas l'allié, c'était le joueur. Alors, il voulait pas que je fasse un selfie parce que j'avais un set get. Pas de action points là dans la life path. Bizarre. C'est bizarre ça. Mmh.
Ah bah tiens. Lol. J'aime bien quand le mois du passé a déjà prévu les bugs à venir. Eh bien voilà. Voilà, j'ai mis des bugs passés par un setget et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Aïe aïe aïe. Lol. Donc. Alors, que je comprenne, enfin, que je trouve une astuce. Donc, en fait, faut que je crée. En fait, là, ici, c'est ça le problème, c'est qu'il y a une fonction. Ouais, j'ai pas compris absolument camel case mélangé avec du static case. Je suppose que c'est la façon de nommer ces variables. Ouais. Je pense que oui. Je vais faire la même chose en fait. Je vais faire ça. Hop. Ah, coming case, peut-être avec des. Ah, ben, en fait, c'est dans le nom. Coming case avec des majuscules à chaque fois. Et snake case avec le underscore. Le camel est faisant ah, référence oui. Au chameau, au boss du chameau. Ah oui, d'accord. Je pense que c'est ça. Ah oui, mais je suis pas très. Ah là-dessus, j'ai beaucoup de progrès à faire. C'est exactement ça, Mimi, tu avais tout à fait compris. Ouais. Donc, set action point. Sauf que moi, du coup, ça va pas être un set, ça va être un. Je vais pas faire set là, je vais faire. Parce que mon set, c'est ma fonction setGet. Ah coucou, remarque. Mais non, parce que là, je lui envoie... Attends. Là, je suis dans le game board. Fuck. Dans le game board. Si je fais un set... Action points. Ah si, je lui envoie le coup. Bah si, c'est bon en fait. On peut essayer, on va voir si ça corrige mon problème. Je sais pas. J'avoue que là je tâtonne un peu. Ah. Ah, j'ai plus le point d'action. C'est ennuyeux. Bon, au moins j'ai plus de points d'action à l'infini, mais j'en ai plus du tout. Pourquoi? Alors, peut-être c'est au début. Cette action 4. Oui, parce qu'en fait, là, je lui balance le coup. Yeah. Ah ouais, je lui balance le coup. Donc, en fait, ce que je pourrais faire... Tricher. Oh, le truc tordu. Nombre négatif pour rusé sur l'initialisation et avoir moins moins 4 plus 4 titi. Oh yeah. Mais j'y crois pas trop.
Bon, évidemment, mes joueurs, ils jouent super tard. J'aurais dû relancer la roulette. Alors, Steve. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ah, Ça il te marche. voit, Il me voit venir. non, il te voit bien avec 4 points d'action, mais il t'en donne pas en En fait. fait, ouais, le problème c'est pas le max point, ça marche. Et le problème c'est le action point. Et en fait, c'est parce que le set get il est mal fichu. C'est qu'en fait, c'est pas un self. En fait, là, c'est pas un set, c'est un change avec le cost en fait. Donc ma fonction, il faut que je la change. Donc il faut que je fasse un modify action points. Ça c'est bon. Action points. Et là peut-être faire ça. Alors ça pourrait marcher. Maybe. Alors c'était où mon dans le game board? Voilà. Et du coup là, je mets modify plutôt que set. Donc en fait, là ce qui se passe, c'est que finalement je scinde mon truc en deux fonctions. J'ai une fonction pour modifier le coût, enfin les actions. Et du coup là, faut que je fasse un self. Et une fonction pour déclencher le script avec la valeur des action points en fait. Pas si tu vois la nuance, Mimich. Alors, attends, non, il faut que tu la fasses. Ok. En fait, là, mon problème, c'est que j'avais une fonction qui était censée faire deux choses à la fois. Yep. Elle modifiait les points d'action quand il y avait un coup. Ouais, Et donc en même. tu te déplaces à modifier en fonction du Voilà. déplacement. Et en même temps. Ça, c'était un setter, et donc un setter, ça exécute quelque chose quand la variable est modifiée en fait. Ah, ça, ouais. Sauf que le problème de mon setter, c'est que le setter, il s'exécute obligatoirement au début du jeu. Et il s'exécutait en voulant modifier comme si l'exécution était un coup en fait. D'accord. Comme si l'initialisation était un coup en PA en fait. Donc en fait, au lieu de. Enfin bref, du coup là j'ai séparé la fonction Ouais, en gros, set qui t'avais permet deux. juste d'émettre mon signal Ouais. et la fonction qui permet de modifier les points d'action. En fait, t'avais une action, enfin, t'avais une fonction avec deux actions, alors que là, t'as deux fonctions, deux actions, enfin, une fonction par action. C'est ça. Et ça marche. Je récupère mes 4 points de vie au départ. Enfin, mes 4 points d'action. Et donc maintenant, voilà. Maintenant, à chaque fois que j'avance de 1, ça me baisse bien de 1.
Non, j'ai un bug. C'est notre push error qui marche bien. Oui, je sais pourquoi. Parce qu'il est nul. J'ai corrigé ça sur l'allié. J'ai corrigé sur le joueur, mais pas sur l'allié, peut-être. Oui, oui, c'est ça. J'ai corrigé sur le joueur et pas sur l'allié. Mais comme quoi, notre push error est efficace. Bah oui, parce que je l'ai vu tout de suite. Comment j'ai corrigé déjà sur le joueur? Je crois que t'as fait un truc nul, t'as sorti un truc nul. Ah bah non, en plus, c'est la... Ah non, non, n'importe quoi, c'est la même chose. Bah ouais, alors pourquoi ça marche pas? Non, mais c'est parce que j'ai pas de point d'action, donc je peux pas exécuter. Qu'est-ce que j'ai fait là? Attendez. Oui, mais il m'en faut 3, je crois. Donc j'en ai pas assez. Alors attends, est-ce que c'est... Ah non mais non, c'est parce que j'avais ce slot-là de sélectionner. Est-ce que si je sélectionne celui-là... Voilà, là j'ai pas l'erreur. Et si je prends la hache, j'ai pas l'erreur. Oui, c'est normal, donc c'est bon. C'est parce qu'en fait, j'ai sélectionné un objet qui est pas censé me permettre d'attaquer en fait. Ouais. Donc c'est normal, Alors, c'est pas que c'est une feature, mais c'est une feature future. Une future feature. Qui n'est pas encore implantée, c'est pour ça que ça bug. Donc on ne va pas en tenir compte. Non, ça marche bien. Ça y est. Ça marche nickel. Donc là, c'est acquis. Ok. Donc tour des alliés. Donc là, j'ai bien 4 PA. Si j'attaque... Ça marche pas, mais je sais pourquoi. Parce que là, j'ai fait une attaque et que l'attaque n'a pas renvoyé le bon signal. Par contre, si je me débrouille. Ah, bah, par contre, j'avais. Oui, j'avais perdu 3. Si, c'est bon, en fait. C'est... Oui, 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 ça a marché. Je sais pas si t'as vu, en fait. Ouais, en l'attaque m'a enlevé 3 PA. C'est juste que je n'ai pas vu qu'elle m'avait enlevé 3 PA, mais elle m'a bien enlevé les 3 PA. Donc après, je me suis déplacé de 1. Et du coup, c'est bon. Du coup, ça a marché parce que pour l'instant, je ne prends en compte que le déplacement. Donc maintenant, il faut que je prenne en compte. Faut que j'émette le signal, en fait. Et c'est tout con. Pour les attaques, donc ça va être dans le action node. C'est bien toi qui disais que ça allait être con de faire ça. Je disais que ça allait être compliqué, non? Ouais. En fait, c'est pas si compliqué que ça, oui. Bah non, c'est ça, en fait. Pour l'instant, j'ai pris l'impression que tu galères, quoi. Non, je galère pas trop. Ça va. Ce qui va être plus dur, c'est de faire la surbrillance. Oui. La surbrillance, ça va être plus dur. Mais j'avais dit, si ce soir on arrive à individualiser la gestion de la barre des points d'action, et j'étais déjà content. Je pense qu'on va réussir. Là, il nous reste plus grand chose à faire. Donc c'est ça, stats, entity node, action points, moins égal attaque data cost. Ah bah non, pourquoi... Oui, parce qu'il faut pas faire ça. Enlève les points d'action. Oui, donc là, en fait, il faut qu'on passe par la fonction. Donc, il faut qu'on fasse... Je vais faire ça. Il faut qu'on fasse modify action points et on lui envoie l'attack cost. Voilà. Et ici, pour le player. Pour le player, c'est légèrement différent. Le player, c'est bien le set action points qui perd. Je crois que c'est ça. C'est un peu bizarre que ce soit pas... Enfin... C'est pareil tout en étant légèrement différent. Hop. Hop, parfait. Je me déplace
J'ai perdu mes PA, j'attaque. J'ai pas perdu les PA. Merde. Attends. Retoque-toi. Enfin, ouais, voilà, tu vois. Je les ai perdus, mais ça ne l'a pas affiché. Ça n'a pas marché. Donc, c'est pas grave, on va trouver. Par contre, je vais vérifier pour l'allié, parce que l'allié, ça marche pas pareil. Est-ce que t'arrives à sélectionner Steve ? Eh ben non. Eh ben tu vois, ma théorie est peut-être très bonne. Je n'arrive pas à sélectionner Steve. Ah bah je peux encore sélectionner Alex. Ah ouais. Bah non, parce que quand tu repasses qu'au tour, tu changes bien de personnage. Ouais, je passe à Steve, mais ça se trouve je vais pas pouvoir le sélectionner. Ouais non, c'est toujours Alex qui est sélectionné. Ah, donc en fait j'ai un problème de... En fait c'est pas un problème de sélection, c'est un problème de désélection. Parce qu'en fait, bon c'est intéressant pour nous aider à élucider ce bug, parce qu'en fait quand je déplace Alex, à la fin du déplacement elle est automatiquement resélectionnée, et ça doit faire en sorte que je la désélectionne pas en fait. Bon, et du coup j'ai pas pu tester ce que je voulais tester. Bon, faudrait qu'on corrige ce bug quand même parce qu'il est vraiment pas de couilles. Hop, je voudrais tester avec un allié. Mais maintenant allié. On sait d'où c'est. Ouais, ça vient, à mon avis ça vient du problème, effectivement tu as raison, du déplacement de... Déplacement d'Alex qui... Ouais. Donc... Non, ça n'a pas marché. Fuck. Je pensais que c'était ça, mêlée attaque. Donc ça marche bien, on enlève bien les points d'action, mais on met pas à jour. Pourquoi ça met pas à jour là ? Alors, est-ce que c'est pas ce bug là qui ferait que... Alors attends. On enlève les points d'action. Non, c'est... Ça marche, puisque je perds mes points d'action. C'est juste que ça met pas à jour. Attends, on va juste faire un truc. Print. PA. Juste voir si c'est bien ce bout de code là qui s'exécute ou si j'ai pas compris. Parce que là, je me déplace, ça marche. PA modifié. Par contre, Alors, ça a marché, oui et non, parce qu'en fait, ça là, le entité perdant des PA, nanana, ça veut dire que le global script, il a bien été exécuté. C'est-à-dire que le signal, il a bien été émis. Mais alors, pourquoi ça n'a pas update ? Alors, il est émis, est-ce qu'il est bien reçu ? Parce que tu peux très bien émettre un signal et t'as aucun récepteur radio entre guillemets pour récupérer, enfin tu vois. Attends. c'est quel... À la limite que ton signal soit émis, je te dirais presque, enfin, fiche. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui est bien arrivé. Bah mais normalement il... Oui. Ah, c'est ça le problème. Mmh.
pense. Parce que, tu sais, comme j'ai changé le fonctionnement de la fonction, là, je reçois le signal avec le coup. Donc, en fait, là, il faut que je fasse... Attends, non? Je reçois un signal. Attends. Attends. Parce que ça marche pour les déplacements, alors pourquoi ça marche pas pour les attaques? Bizarre. Le coût du chemin, c'est ça. Active unit, modify action points. Et donc quand on attaque, on est dans Actions Node. Pourtant, c'est la même chose. C'est ça qui est bizarre. C'est vraiment pareil. Donc j'envoie le coup. Oui, si c'est ça le problème, c'est que j'envoie le coup. Ah non, modify actions. Donc c'est normal, j'envoie le coup. Et donc je fais ça, bon, le coup. Et du coup, normalement, en faisant ça, j'active ce signal. Alors, j'ai du mal à comprendre où est le problème. J'active ce signal, donc je récupère. Récupère ce signal là. Est-ce que tu peux pas faire des prints successifs? Enfin, tu vois, tu sais que tu pars d'un endroit. Ah, attends. On est d'accord que tu passes par. Ah, j'ai compris. Par du point A au point B pour aller au point C pour aller au point D quasiment, non j'exagère mais c'est un peu ah fallu, quoi. J'ai compris, non j'ai pas compris, attends, c'est AP. Alors redis-moi, Mimi, ce que tu me disais. Je proposais de partir de ton début et de printer au fur et à mesure tes différentes étapes par où tu es censé passer. Ouais. Ah ouais. Ben, tu vois, voilà, print coucou. En gros, c'est te dire, ben attends,
Moi, je comprends que ça passe par A, par A, par A, par A. À chaque fois que tu te dis je passe par A, eh ben, je me print un coucou. Et puis, bah, tu vois bien si t'as ton coucou qui apparaît, tu vois. Quand tu fais ce que tu veux. Donc là, j'ai 4 points d'action. Si j'attaque. Ah, si je me déplace de 1, ça marche, j'en perds 1 tout de suite. Si j'attaque, j'en perds pas visuellement. Alors que dans les faits, j'en ai vraiment perdu. Oui, parce qu'en fait, quand tu veux te déplacer, tu. Alors, attends. À quel moment? Ouais, en fait, c'est vraiment sur. Alors, la différence que je vois, mais qui est bizarre, c'est qu'en fait, quand je me déplace, les points d'action sont effacés. Et ils deviennent invisibles. Avant de devenir de nouveau visibles. Alors ah, que quand oui. J'attaque, c'est pas le cas. Fait que quand je resélectionne le joueur, c'est bien à jour. Ouais, t'as une mise à jour qui se ferait pas. Alors, en fait, le problème vient peut-être d'un décalage d'une frame ou d'un truc comme ça, la con. Est-ce que c'est pas au sens de tes. Tout simplement au sens de... d'exécution de tes lignes. Entre ton joueur et ton allié, t'es bien dans le même sens? En fait, ça se trouve, je reçois. En fait, je dois recevoir un signal. À un moment, je dois recevoir. Un... En fait, je dois avoir deux trucs qui coïncident. Et. Enfin, je dois avoir deux informations qui arrivent sur la même frame. Et une information avec l'ancienne valeur des points d'action. Et une information avec la nouvelle, sauf qu'en fait c'est l'ancienne à valeur des points qui doit arriver après. Et du coup ça laisse le. Donc on va tester ça ici. 7 AP. Hop. Value. On va regarder ça. Donc, donc. Quand je sélectionne, t'as vu ça apparaît deux fois. Ah, je pas fait gaffe. Quand je sélectionne le joueur, la fonction s'exécute deux fois. Ah. Comment ça se fait? Du coup, quand je me déplace, c'est ça. La première fois, j'ai l'ancienne valeur 4. Mmh. Et la deuxième fois, j'ai la nouvelle valeur 3. Qui fait que ça se met bien à jour. Par contre, quand j'attaque. Eh ben, je reçois pas. J'ai pas eu de à nouveau. 3, 3. Non, j'ai pas eu de 7 AP. Ouais, tu m'as eu. Parce que... Mais je l'ai deux fois, avec l'ancienne valeur et la nouvelle. Ouais. Pourquoi deux fois?
Il est où ton print? Il est dans le set AP qui est sur la barre de raccourci. Ok, donc il est là. Donc, cette fonction, cette AP, elle est appelée par qui? On va montrer comme ça. Bah, par elle-même. Par le nœud. C'est une fonction setGet. Ah oui, purée, c'est vrai que je ne les maîtrise pas, celle-là. Ah, attends, donc c'est-à-dire que. Ah, attends, je ne maîtrise pas, mais je vais essayer de comprendre. Elle est appelée quand la valeur du nombre de points d'action change. Si j'ai bien compris. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui fait que ton nombre de points d'action change? Si je réponds à la Oui, question que je me pose. non, 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 mais je cherche la réponse à ta question. Ben, si on est logique, nos déplacements, le Ah fait de oui, se mais oui. déplacer et le fait de d'attaquer. Oui, sauf que ça ne marche pas. Ben, si, ça marche. Alors, attends. Trop bien. Qu'est-ce qui change ça? Non, ce qui change ça, c'est... C'est quand on sélectionne. Ah bah voilà, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, cette fonction-là, elle est appelée que quand on sélectionne le joueur. Ah, ben ouais. C'est pour ça que elle est pas appelée. Par contre, je sais pas pourquoi ça fait deux fois le set AP. Ça, je ne comprends pas. Mais cette fonction-là, elle n'est pas appelée quand juste l'attaque est finie, en fait. Ouais. Mais en fait, il faut la rappeler à la fin, quoi. C'est ça, exactement. C'est ça. Mais... Ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc pour la rappeler, il faut qu'on sache que la... Eh bah, ben, en fait, il faut qu'on le fasse à la fin de l'attaque. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai fait fonctionne, c'est juste qu'il faut que je rappelle cette fonction-là. Donc il faut que je dois avoir un signal à la fin d'une attaque. Ouais, je pense que t'as un signal. T'as pas étonné que t'as un signal. Ouais. Attaque finished. Ouais. Eh ben, ça veut dire que tu récupères ton signal. Je me connecte à signal et puis j'update simplement. Bah Sauf que voilà. le problème, c'est que là dans mon signal attaque finish, j'ai pas le nœud. J'ai pas le nœud qui finit l'action, alors qu'en fait j'ai besoin du nœud pour Aïe. aller re-récupérer les bons points en fait. Alors, deux solutions. En même temps, savoir qui c'est qui finit une attaque, ça peut être intéressant. Oui. Voilà, une première solution, je modifie le signal pour savoir qui finit l'attaque. Pas compliqué à faire, mais par contre, il va falloir que je le fasse partout. Ce qui rajoute une variable inutile pour la plupart des autres situations, puisque jusqu'à présent, on n'en avait pas besoin. Ouais, mais C'est pas grave. Ou deuxième solution, est-ce que là, je peux me passer de savoir quel est le nœud, en fait? Bah non, parce que j'ai besoin de connaître le nombre de points d'action. Ouais, donc non, je peux pas me passer. Donc en fait, il faut que je en soi, modifie tu le pourrais t'en signal. passer. Baf. Mais en fait, faut créer une variable temporaire. Oui, mais c'est pas très élégant et puis c'est la porte ouverte à beaucoup d'erreurs en fait. À toutes les fenêtres. Ouais, je suis d'accord. Alors, donc mon script, du coup, on va plutôt modifier
Le attack finish. Pour rajouter le nœud en fait. Et donc là c'est attacker node. Que je... Hop. Voilà, sauf que du coup... Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Bah mince, il s'appelle comment? Attack finished. Eh bah. Pourquoi je le vois pas là? Ah, parce que j'ai juste créé le signal? Bah non, attends. Ah ouais, j'ai juste créé le signal. A new signal. D'accord. Donc là, je mets node. Je vais mettre attacker node pour que ce soit plus clair. Donc du coup maintenant je vais faire un... Non. Je vais faire un contrôle majuscule F. Parce que là du coup... Donc ça c'est fait. Ici. C'est quoi là? Du coup, c'est entity node. Je pense. Il faut que je rajoute partout en fait. Et là, c'est attacker node. Bah, j'ai déjà mis. Et donc. Ça, c'est le game board, c'est ça? Dans le game board, attack finish. Et donc là, en fait, je récupère mon attacker node. Même si ici, je l'utilise pas. Donc, je vais mettre un underscore pour qu'il me dise pas message. Et du coup, si je lance. Je vais quand même modifier tout de suite. Là, ça sert à rien. En fait, là, donc, j'ai besoin de me connecter à attack finish. Attack finished. C'est comme ça qu'il s'appelle, finished. Ouais, c'est ça. Je vais l'appeler on attack finished. En fait non. Ouais. En fait ça va être la même chose. Ça va être la même fonction, mais je préfère lui donner un nom différent quand même. C'est pas grave, quitte à faire un copier-coller. Tu vois ce que je veux dire, Mimich? J'aurais pu lui. En fait c'est exactement la même fonction. Ouais. Mais pour l'instant, on va lui donner un nom différent. Oui, parce qu'en même temps, on est dans deux situations différentes. Un coup, c'est l'attaque qui quand on finit une attaque, et l'autre coup, c'est quand on... Voilà, quand on sélectionne le joueur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et à l'avenir, ça... Parce qu'on pourrait faire qu'une fonction. Mais tu as bien vu tout à l'heure, tu avais fait une fonction pour deux actions, et tu as changé après. Mm-mm. Au pire, on a deux fonctions, mais... Pour être amené à réutiliser différemment. Alors, est-ce que ça marche? Déjà, on va faire une attaque, on va voir si ça crache ou pas, parce que comme j'ai modifié des trucs... Donc là, ça marche. Ça a marché. Et j'ai pas eu de crash. Les messages d'erreur... Ça, c'est rien du tout.
peux le corriger. Return the value, ok. Ignorer, hop. J'en profite pour faire tout ça. Ouais, pour faire un peu de ménage. Ménage. Narrowing conversion float is converted to int and lose precision. Bah on s'en fout. Hop. Je me casse les bonbons. Hop. Donc là ça a marché pour le joueur. Je vais me déplacer. Hop. Ouais, tu vas pas pouvoir sélectionner Steve après. Ah oui, tiens. On va voir si ça fait le même bug, effectivement. Bonne idée. Hop, Steve. Je peux le sélectionner. Oh, c'est que tu as corrigé ton bug en même temps, non? Non, non, je vais pas corriger le bug, mais... Bon, par contre, Steve, de toute façon, il va pas pouvoir aller attaquer le zombie parce que le zombie est trop loin. Ah, mais passe toi. Déjà, tu peux... Voilà, non, mais déjà, le déplacement fonctionne. Ouais, ouais. Il te conseille juste de faire explicitement la conversion de float vers int pour ne pas dire pourquoi ça va être là, mais en effet tu peux ignorer. Explicitement la conversion de float vers int. Ah d'accord, je pensais que c'était l'inverse qui me disait que je la faisais en fait et que ça lui convenait pas. Alors si j'attaque... Ça marche. Ouais. Alors ce qui marche pas encore c'est l'actualisation de la zone pour se déplacer. Mais ça c'est pas très grave. D'ailleurs ça se trouve on va pouvoir utiliser la même fonction attack finish pour actualiser le... Mais en tout cas ça a marché. Ça a automatiquement modifié mes points d'action. Je vais le refaire. Hop. Parce qu'en fait faut que tu resélectionnes ton personnage pour... Pour que ça actualise la zone de déplacement. Ok. Y compris pour Alex. Je vais pas souvenir. Comment? Non, non pour Alex, c'est automatique. Non, pour Alex, non, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ah, si, c'est peut-être bon pour Alex. Ouais, attends, je vais le refaire, on va voir. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Si je me déplace de 1, 1, 2, 3, 4. Ouais, si, c'est bon. Pour Alex, c'est bon. Non, c'est pas, ouais. Mais donc, ça se voit la taille de la zone. Enfin, moi, j'ai par contre, ah oui, non, non, non. Non, non, mais ça le fait pas pour Alex non plus. Regarde, ça le fait pas après une attaque. Ah, après une attaque, pardon. Ça le fait pas après une attaque, oui, c'est ça. Oui, on peut faire la même chose, absolument. Ouais, quand même. Donc là, si j'attaque le zombie, normalement, je vais perdre instantanément mes 3... Mes 3 gigos. Je vais l'attaquer avec l'épée, tiens. Et j'ai perdu mes 3 gigos. Par contre, j'ai fait un score pourri, j'ai fait 1, c'est ça. Oh, t'as fait un quoi? Échec critique. Je vais faire un échec critique, quoi. Et ouais. En même temps, sur un des 4, t'as plus de chances de faire un échec critique. Là, j'ai une chance sur 4. C'est ça, que sur un des 6. Ou sur un des 20. Ouais. Mm-mm. Bon, en tout cas, ça marche. Hein? Ça marche, ça marche. Est-ce que, quoi que non, peut-être pour maintenant, l'histoire de la zone de... Bah, on peut peut-être regarder, voir, parce que... Mais ouais, il y a ce bug aussi. Pendant qu'on y pense, en fait, je me dis pendant qu'on y pense. C'est ça aussi, tu vois. C'est le genre de truc que là on s'en parle et puis. Ouais, j'ai pas assez de points d'action pour aller attaquer. Hop. Tiens, t'as vu, c'est un truc qu'il faudra qu'on code plus tard, c'est que le zombie. Enfin, remarque, c'est le comportement de Minecraft. Le zombie, là, il a pas changé de cible. Oui, bah c'est ce qu'on. C'est-à-dire que j'étais plus proche de lui avec Alex. Voire même avec Steve. Et il a quand même attaqué la même cible qu'avant. Mais en même temps, dans Minecraft, c'est ça le comportement. Ouais, bah oui, t'as un focus et on s'en sert de ce focus. Allez, je vais attaquer avec ma hache là cette fois-ci, je vais lui faire bien mal. Et on en parlait dans ce Rasta hier soir, c'est le même comportement de mémoire. J'ai fait encore un 1. Mais la hache ayant un plus 1, je l'ai tué quand même. Ça fait 2, je l'ai tué. Et du coup, on l'a vu avant qu'il y ait l'image de fin du combat. J'ai bien eu les. Ouais.
J'ai bien eu les deux, enfin les trois PV, les trois points d'action qui ont été. Attends, mais... Hop. Donc c'était où? C'était là, hein, le Ignore Narrowing Conversion. Donc en fait, il faut que je fasse quoi? Je rajoute Int à quoi? À tout? Comme ça? Tu verras ce qu'il te raconte. Du coup, j'enlève le ça. Je relance le jeu. J'ai plus aucun warning. Donc c'est bon. C'est qu'il est content. Bon. En même temps, t'as pas utilisé les fonctions. J'ai. Relance peut-être, hein. Bah ouais, si tu veux, je relance un combat. Mais je pense que ça, ce genre de warning, il me le dit au démarrage. Ouais. Justement, comme c'était le combat, je savais pas si c'était un démarrage de combat ou un démarrage tout Bon, court. ça marche en tout cas. Yep. Là, le débugger en rouge, c'est normal, parce que c'est ce qu'on a codé. Oui, parce que j'ai attaqué avec une. J'ai attaqué sans arme en fait. Enfin, avec le mauvais truc. C'est normal. Avec la mauvaise action de sélectionner. Voilà, j'ai attaqué avec le piège alors qu'en fait, normalement, il faut attaquer avec l'arme en main. Donc ça, c'est normal. Non, bah ça marche impeccable. Donc maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est mettre à jour automatiquement l'affichage des cases accessibles quand on a fini d'attaquer. Quand on a fini d'attaquer. Yep. Alors là, on change. Ah. Ouais, ça s'en fout en fait. Le warning là. Bon, c'est quand même étonnant, c'est que tu n'as pas eu avant. Ouais, c'est sur le activator door en plus. C'est des trucs. C'est des vieux, vieux trucs ça, dis donc. Ah. Oui, enfin après c'est pas si vieux que ça, mais Bah là, je suis dans les quêtes. ouais, mais ce que je veux dire c'est que c'est des trucs, oui, ça commence à dater un peu, mais ça tu vas t'en servir quoi. Non, parce qu'on a encore des bouts de script qui se baladent qui ne serviront jamais. Tout à fait. Alors maintenant. Alors là, comme ça, du but en blanc. Faudrait que je regarde comment je fais à la fin d'un déplacement. Quand le déplacement est fini, je resélectionne ma. Attends. Comment ça marche? Donc. Là, mon perso est sélectionné. Je me déplace. Il est désélectionné et là il est resélectionné donc ça recalcule le bidule. La zone de déplacement. Donc c'est au moment de la sélection. Donc dans le game board c'est peut-être ça, je sais pas. Non, dans le game board, tu as attaque finished. Ouais, c'est ce que je voulais voir et j'ai pas déplacement fini. Non. Select unit. C'est ça. C'est cette fonction-là. C'est ça, la distance cell clear, walkable cells. Get okay, et unit overlay draw. En fait, c'est ça que je fais. Donc en fait, il faut qu'à la fin de l'attaque, je fasse la même chose. Et donc je dois avoir un truc on attack finish, non? Là-dedans. Attaque. Finished. Je suis connecté. Je suis connecté à attack finish.
Et du coup là je fais un select unit. Bah alors pourquoi ça marche pas? Parce que normalement ça devrait redessiner. Ça me resélectionne. Normalement, ça c'est quand c'est fini. Alors attends, on va faire un petit print. Hop, voilà, sélectionner. Et on va voir ce que ça donne. Ah, par contre, attends, ce que je pourrais faire, c'est virer mes print set AP là. Ouais. Parce que ça, du coup, on en a plus besoin. Set AP. Ah mais c'est pas ça que je dois faire. Oh. C'était dans Action Point. Ouais, c'était ça. Hop. Hop. Donc. Ah bah ça aussi, il faudrait que j'enlève là. Entité perdant des trucs. Où est-ce que j'ai écrit ça? C'est dans le global script. Voilà. Donc, remets-moi Godot en dessous, s'il te plaît. Joueur sélectionné. Donc là, le joueur est sélectionné. Quand j'ai là, hop, quand j'ai fini de me déplacer, ça me remet bien joueur sélectionné. Et ça update la, ça update le, la zone. Si je me déplace, hop, ça l'update. Voilà, à chaque fois, ça l'update. Alors maintenant, il faudrait que je fasse une attaque. Par contre, je suis pas sûr que j'ai assez de points d'action. Non, j'ai plus assez de points d'action pour faire une attaque. C'est là où on va tricher. je sais plus comment faut faire par contre. Add, c'est ça. Add. Et donc add action points 3. Hop. Et donc hop, voilà. Je me suis remis des points d'action, donc j'attaque. Attends. Joueur sélectionné, c'est bon, j'attaque. Ça finit l'attaque. Ah, et ça remet pas joueur sélectionné. C'est grave le truc en fait. Pourtant, il est bien sélectionné. Ouais, mais. Il est pas désélectionné entre guillemets. Je sais pas. Enfin, je pense que t'as une histoire de. Quand tu te déplaces, faudrait vérifier ton script, mais. T'as pas une histoire que tu me désélectionnes pour sélectionner après? Si, si, quand je me déplace, c'est sûr, ça marche comme ça. Mmh. Donc en fait. Mais pas quand là, j'attaque. Bah ouais, parce que quand t'attaques, en fait, à aucun moment il n'est désélectionné. Tout à fait. Ah merde, c'était pas mal. Tu fais comment pour relancer aussi vite? J'appuie sur la touche C. Ah ouais, d'accord, tu sors et tu repars au combat. Ouais, c'est ça. De la triche, hein. On est d'accord. Parce que moi, instinctivement, je ferme le jeu. Pour relancer tout. Donc, j'attaque le zombie. Qu'est-ce que je voulais voir? Qu'est-ce que je voulais voir? Joueur sélectionné, ouais. Donc, normalement, dans le game board. Quand l'attaque est finie. C'est. Alors, c'est peut-être ça le problème. C'est qu'en fait, je mets if global script game board égale fight. Je sais pas pourquoi je fais ça. Parce qu'en fait, ça permet de tester dans votre combat.
Oui, mais pour... Et ça se trouve, il y a une erreur sur la casse. Tout simplement. Tout simplement. Peut-être pas, hein, je dis ça, mais... Où est-ce que je peux voir ça? Crotte. Oui, une erreur sur la casse. Et voilà. On a vu là, ça a mis automatiquement à jour. Aïe, aïe, aïe. Regarde, si je l'attaque, hop, à la fin de l'attaque, ça met automatiquement à jour l'overlay. Ah, tout ça pour une majuscule. Tout ça pour une majuscule. Et le pire, c'est que ça faisait pas compter le jeu, c'est ça le pire en fait. Bah, c'est normal parce que c'était un test. Ouais. C'était juste, est-ce que le game mode Ouais, bah est oui. égal à fight? Bah non, il est pas égal à fight parce que t'as mis une majuscule, gros couillon. Bah oui. Alors, je peux pas sélectionner. Tiens, j'ai encore ce putain de bug. Celui-là, par contre, il est un peu plus Non, chiant. c'est pour... Non, c'est pourquoi? On a dit quoi tout à l'heure? Non, j'avais dit que c'était peut-être parce que j'avais déplacé Alex, mais c'est pas sûr à 100%. Bah en fait, si, parce que... Attends. Ah bah non, attends, ouais, non, parce que en fait, non, ouais, c'était, tu bouges, Alex, elle est pas désélectionnée à la fin du tour que j'ai noté, moi. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment ça, En parce fait, que... non. Pardon. Moi, je m'étais noté, elle n'est pas désélectionnée au moment du changement de tour. Mais en fait, normalement, ça devrait pas faire ce problème-là, mais bon. Ce que j'avais déjà... Enfin, ouais. On va regarder. On va regarder. Alors, c'est à Steve de jouer. Faut le Voilà, fais les derniers sélectionner. d'abord et puis Et après. là, je veux voir si ça met à jour automatiquement le chemin, en fait... enfin, la zone accessible. Attaque. Attaque finie. Ouais, ça marche. C'est bon. Et ben voilà. Impeccable. Tu m'as mis du min-life, Je sais pas combien de. J'ai fait un point de dégâts. Ah oui, forcément, sur deux, ça fait la moitié. Et ben voilà, maintenant tout fonctionne au niveau des points d'action. Ça fonctionne. Donc après, là on a fait la partie facile ce soir, qui nous a quand même un petit peu, tu vois, on avait vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué quand même. J'ai pas osé me dire à un moment, quand tu galérais. Et salut Emrinfes, bonne soirée. Bonne On soirée, n'a pas fait enfin la bonne nuit. partie entre guillemets les plus difficiles, celle de mettre en surbrillance les points d'action potentiellement Ouais. dépensés. Ça va être plus compliqué parce qu'il y a pas mal de fonctions à ajouter un peu partout dans le code en fait. Parce que là, en fait, on a adapté des fonctions existantes pour simplement récupérer les signaux qui existaient déjà presque. Alors que là, pour mettre les PA en surbrillance, il va falloir qu'on crée pas mal de choses qui n'existent pas du tout en fait. Ouais, mais Baf. en soi, c'est quoi? C'est quand tu sélectionnes ton arme, tu lances, t'envoies un signal. Il y a plein de situations en fait. Il y a la situation la plus simple, je pense, c'est celle du déplacement. Je me déplace, donc là je connais à chaque fois que je modifie la taille de la flèche qui me montre mon chemin, je connais sa taille. Donc il va juste falloir que je récupère cette information. Pas trop compliqué. Ah, tu pousses juste là, toi. Comment? J'aurais pas Ah bah si, quand je posé pour un déplacement. sélectionne... Bah si, parce que là, tu vois, si je me déplace d'une case, ça me met en surbrillance 1 gigo. Si je me déplace de... Enfin, si je survole 3 cases, ça me met 3 gigo. Ouais, d'accord. En tout cas, elle fait que pour les actions. Bah non, Pour moi les je vais le attaques. faire pour tout. D'accord. Et après, il y a donc pour les attaques, il y a deux cas de figure. Tant qu'on parle des attaques au corps à corps, parce que les attaques à distance, c'est autre chose. Mais attaque au corps à corps, il y a le cas de figure où je suis à côté de ma cible, et donc je dois prendre en compte que le coût de l'attaque. Ah, il y a une dépression que Et j'attaque.
Il y a la deuxième possibilité qui va être un peu plus complexe, c'est quand je me déplace pour attaquer. Et à ce moment-là, il faut que je prenne en compte. Donc, le fait que tu veuilles faire un déplacement en premier, parce qu'une fois que tu auras fait le déplacement et tout seul et l'attaque tout seul, le troisième, il est presque fait. Presque. Enfin, il est plus, disons qu'il courra un peu plus de sorts, quoi. Bon alors, ce bug de sélection là. Je fais le score résoudre maintenant? Bah, on peut regarder rapidement, mais je suis pas sûr qu'on y arrive ce soir. Mais en fait, je pense que le problème, donc deselected active unit. Apparence pas avec un F majuscule ou quelque chose. Active unit. Pff, ouais, ça va être chaud. Moi, je me demande si c'est pas un problème de round start. Où on aurait un mauvais. On pourrait essayer un truc tout bête. Inverse juste sur fond if et if là. Inverse juste les deux valeurs. De quoi trou là? Non. Bon, if commence par est-ce que l'entité sélectionnée est un joueur? Ouais. Et l'autre c'est ben, sinon est-ce que c'est un allié? Ouais. Essaye l'inverse. De commencer par tester l'allié et. Tester l'allié et ensuite le joueur. C'est tout bête hein, comme changement. Et en soi, ça change rien. Et quel est l'effet escompté? Eh ben... L'effet escompté, c'est qu'on se retrouve coincé avec un allié et pas avec le joueur. Ouais. On sait rien. Non, faut qu'on Écoute. arrive à reproduire le bug en fait. C'est ça le truc. Il faut commencer par Alex en premier. Donc là j'ai Alex. La bouge. Passe le tour. Après c'est à Steve. Steve Junior. Bah j'ai pas le bug, je peux le sélectionner. Passe à Et l'autre essaye de Steve. relancer un combat avec Alex en première, enfin toi pour forcer la sélection avec Alex en première position. Alors, Alex est en première. Je déplace Alex et j'attaque. Bon, juste un déplacement, mais c'est pas Je grave. passe le tour sans la désélectionner. Yep. Bah, c'est à Steve de jouer. Je peux le sélectionner. Bon. Il est chiant ce bug, j'arrive pas à le reproduire automatiquement. Hein. Même Ouais, avant d'avoir c'est... changé les lignes là. Hein. C'est un bug chiant. Ouais, c'est pas un... Il est pas franc, quoi. C'est pas un bug. Un coup, c'est bug. Un coup, c'est bug pas, quoi. À moins qu'on ait réussi à débugger sans... Je pense pas parce que ça change pas grand chose. Alors. Je vais essayer de commencer par un allié. Donc attends, je vais relancer. Là, comme on a inversé les lignes, je vais essayer de commencer par un allié. Voilà, je commence par Steve. Donc je déplace Steve et je le fais attaquer. Maintenant. Ah, je peux pas sélectionner. Ah bah non, c'est normal. C'est pas lui de jouer. C'est au tour de Jack. C'est good. C'est l'autre. C'est normal donc.
C'est pas un bug. Donc là, je vais, ça va être au tour d'Alex. Est-ce que je peux jouer Alex? Oui, je peux. Ok, pas de bug. Donc Creeper de jouer. Maintenant. Je peux sélectionner l'autre. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on n'arrive pas à le reproduire facilement, ce bug. Ouais, bah oui, on maîtrise pas les conditions d'exécution du bug. Alors, c'est à Steve. Je peux sélectionner Alex. Et je peux sélectionner lui, donc c'est pas... C'est pas ça le problème. On est d'accord que c'est un bug qui date un peu. Oui. Ça date de l'intégration des alliés en fait. Enfin, c'est ouais, donc, okay. Quelques mois quand même déjà. Bon, c'est de la version W39, donc il y a 15 jours, 3 semaines, tu vois. Ou plus que ça. Non, 39, W39, non, c'était, c'était fin septembre. Que moi j'ai nommé W39. D'accord. Mais c'était pas un vrai push. Non, c'était pas un vrai push. D'accord. C'est moi qui ai nommé ça, mais par rapport à la... J'ai mis le numéro de semaine pour me repérer. T'as bien fait. Je crois que si, c'est la version que j'ai dû pusher, mais à part, toi, en branche annexe de la branche principale. Ah. Et du coup, depuis août, depuis que j'ai mon nouveau PC, on a pas, j'ai pas pushé. J'arrive pas à reproduire le bug. Quand on le veut pas, on l'a, et puis quand on le veut, on l'a pas. Bob, il joue pas? Non. Ouais, j'essaye, mais ça marche pas. T'arrives pas à reproduire le bug, c'est ça? Non, pareil, toi, j'avais Alex en premier. Et puis en plus, t'as une vieille version du code. Ouais, j'avais Alex en premier, Steve en deux. Enfin, ouais, j'avais pas Steve en deux, mais tu vois, voilà. J'ai déplacé Alex, et grâce à Steve, je peux lui faire faire ce qu'il veut. Ouais, je l'ai déplacé, je l'ai fait attaquer. Je n'arrive pas à le reproduire. Bon, tant pis. L'erreur là, c'est toujours le. Ok. Bon, écoutez, on va. Il est 23h30. On a un bug depuis longtemps, mais qu'on ne sait pas trop bien identifier et corriger. On a quand même déjà fait plein de choses ce soir. Qui fonctionnent très bien maintenant. Ouais, bah oui. Donc. Hop, non, bah non, c'est pas bugué, j'arrive à le sélectionner. Donc écoutez, ma foi, on va en rester là pour ce soir, on a super bien avancé. J'ai beaucoup apprécié le fait de faire deux streams consécutifs hier soir et ce soir. Ouais, bah tu m'étonnes. Parce que entre hier soir et ce soir, on a bien avancé. Donc la semaine prochaine, j'ai une session jeu de rôle vendredi. Donc tu pourras me faire des infidélités avec Samuel et Etienne. Yep. Mais... Et il n'est pas interdit de penser qu'un de ces jours, on refera deux fois de l'AstroTerre dans la semaine. Ouais. Pendant les vacances, ça va être chaud. Pendant les vacances, ça va être chaud. Parce que je serai pas là pendant au moins 3, voire 4, voire 5 jours. Ah, tu petit séjour. Ouais, c'est ça. Donc du coup voilà, ça mangera pas mal de stream. Ouais. Les vacances. En fait, je suis en train d'apercevoir que sur mon agenda que j'ai à côté de moi, enfin sur le calendrier que j'ai à côté de moi, eh ben je n'ai pas les vacances en train de regarder. C'est la semaine prochaine.
De fin de semaine prochaine, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Par le vrai note, parce que... Et la semaine prochaine, donc la fin de semaine prochaine, j'ai une session de jeu de rôle vendredi. Donc voilà, il n'y aura pas de stream Astroterre vendredi, il y en aura un samedi prochain. Donc samedi prochain, je sais pas ce qu'on fera. Mais probablement que demain, j'aurai pas le temps de faire grand-chose. Je pense que demain, j'essaierai peut-être de commencer à faire la gestion de la surbrillance des gigots, là. Peut-être, on verra. On verra, on verra. Bon, bah en tout cas, c'était une session fort productive. On a bien avancé, ça fait plaisir. Et du coup, je vais vous envoyer vers Akalis, qui est en train de rattraper le stream, le live Minecraft. Voilà. Hop. Je sais pas si c'est la casse. On a vu que c'était important la casse. Ah, merci beaucoup à toi, Absolum. C'était très sympa. Merci à tous ceux qui ont suivi le stream. Et puis on se donne rendez-vous donc demain soir pour du Holy Cube. Donc on repassera sur du vrai Minecraft. Et ce sera très bien aussi. On aura deux jours de suite sur Holy Cube, dimanche et lundi, pour bien avancer sur notre temple de l'eau. Et ça fait plaisir. Voilà, bonne nuit à tous. Merci encore de Bonne m'avoir nuit. suivi. Et à très bientôt. Ciao, À bientôt, ciao, ciao. ciao. Merci encore, Mimichur, bien sûr.